Salut les champions, c'est Max au maximum. J'aimerais te dire ou te rappeler que ton passé ne détermine pas ton futur. Tu as le droit de reconnaître ta faiblesse. Il n'y a pas de honte. Mais pourquoi l'homme veut toujours résister, toujours contrôler? Pourquoi l'homme refuse d'être aidé? Combien je rencontre de personnes qui se disent assez fort pour se relever, assez fort pour gérer la situation seule. Et quand une dure épreuve arrive et qu'on n'a pas le choix de lâcher prise, c'est la catastrophe. Mais arrêtons de retenir nos émotions, de bloquer nos émotions. Tu veux pleurer, mais pleure. Ne fais pas semblant d'être heureux. Tu ne peux pas acheter ton bonheur, tu ne peux pas acheter ta paix. Ne garde pas ce mal-être, libère ce poison qui est à l'intérieur de toi. Si tu retiens, tu risques de le libérer sur les autres. Sache qu'il y a des personnes qui sont prêtes à t'écouter et à t'aider. Le corps parle, on ne peut pas cacher. Pendant des années, je ne disais rien. Je gardais tout à l'intérieur de moi. Le poison s'est répandu dans mon corps et c'est ce qui a provoqué des maladies. Et oui, le mal a dit. Mets cet orgueil de côté et va rechercher cette humilité. J'aime cette parole qui dit « L'humilité précède la gloire. » L'humilité précède la gloire. Tu ne vas peut-être pas aimer ce message, mais peu importe, il y a une personne qui va regarder cette vidéo et qui va changer sa vie. Ne reste pas dans cette situation de souffrance. Reconnais ses blessures. Reconnais tes fautes. Reconnais ton incapacité. Mais accepte d'être relevé par quelqu'un. Accepte la guérison intérieure. Accepte d'être transformé. Accepte d'être changé. Accepte de lâcher prise. Merci d'exister.